C'est une belle journée de Formule 1 qui s'annonce au Castellet, alors que les pilotes achèvent leur préparation sur la grille de départ. Le Grand Prix de France devrait nous offrir un spectacle palpitant cet après-midi. Pour boucler un tour parfait sur le circuit Paul Ricard, les pilotes devront maîtriser 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite, sur une distance de 5,8 km. La ligne droite du Mistral, entrecoupée d'une grosse zone de freinage à la chicane nord, favorisera sûrement les dépassements. Les pilotes devront également garder un œil sur les célèbres bandes de couleur rouge et bleu, hautement abrasives et destinées à ralentir les voitures en cas de sortie de piste. Alors que les pilotes terminent leurs préparatifs sur la grille, un homme qui connaît bien la pression d'avant-course, Nicolas Martin, vient de me rejoindre dans la cabine de commentaires. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors dites-moi, à votre avis, que se passe-t-il dans la tête des pilotes en ce moment ? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Valtteri Bottas part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Ricciardo, Hamilton, Sebastian Vettel et Raikkonen, Ocon, Sainz, Van Dorn et Sergio Perez, Magnussen, Hülkenberg, Le premier virage arrive vite, donc les pilotes seront regroupés. Fais attention. La cartographie de départ marche bien, mais tu vois passer chacune des vitesses dans le noir. Il faut faire travailler les freins. Appuie un peu dessus et fais aussi chauffer les gommes, s'il te plaît. Thank you.
ralentis et garde un delta positif. Voiture de sécurité virtuelle déployée. Thank you.
prépare à un passage au stand. Thank you.
incroyable, tout simplement génial, super boulot. Une très belle victoire pour l'écurie de Maranello aujourd'hui. D'après vous, Nicolas Martin, comment sont-ils parvenus à obtenir ce résultat ? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour, mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même. De cette façon, il parvient à prendre la tête du peloton. Il est temps à présent d'assister à la remise des prix. Les pilotes grimpent sur le podium et c'est une combinaison rouge qui se hisse sur la plus haute marche. Très belle victoire pour Ferrari aujourd'hui. Si on vous demandait d'élire le pilote du jour, lequel choisiriez-vous, Nicolas Martin ? À mon avis, c'est Romain Grosjean. Il a fait d'énormes progrès. On ne peut que s'incliner devant une telle prestation. C'est tout pour aujourd'hui. Merci.